fille de 16 ans m'a brisé le cœur. Je n'ai pas eu le temps d'avoir une rancœur. Elle était comme une drogue, elle était comme ma sœur. Et en cassant les dogmes, je lui ai fait peur. J'étais très attaché, je ne peux pas dire mieux. C'était de l'amitié, je n'étais pas amoureux. Du moins je ne le crois pas. Et qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un pervers. Je m'arrache les cheveux, peut-être pour lui ressembler. Je vais vous faire un aveu par poésie interposée. Elle est partie bien loin et je ne la reverrai plus. Je crois que mon chagrin, elle n'en a jamais rien su. Un homme de 50 ans aussi brisa ton cœur. C'est vrai, c'est effrayant et ça fait vraiment peur. Vous étiez deux amis plongés dans le virtuel. Comme dans la vraie vie, ça paraissait réel. Derrière les écrans, on peut lire de beaux mots, des promesses de géants, et tout peut être faux. T'es la femme de ma vie, et tu es comme moi, à croire en tes amis. Lorsque l'on a la foi, tu fais couler tes larmes, peut-être pour exorciser ce qui a fait ton drame, la déception de l'amitié. Était-ce du mensonge ou bien de la supercherie? Étiez-vous dans un songe? Personne ne vous l'a jamais dit. Nous sommes des gens bizarres, on ne fait que rêver, et nous sommes si rares à croire en l'amitié. Alors on se regarde avec nos déceptions, avec nos peines blafardes, sans perdre la passion.